Donc ici, il y a la représentation de... Roger, j'arrive. C'est enfin le grand départ. On passe aussi dehors. Des dons, des bons dos à RPL. Voilà, il y a encore d'autres cartons là-bas. Zahir, Kalanga. Il y a ici plusieurs centaines de kilos en vêtements et médicaments qui seront accompagnés par secrétaire général de Bondo, secrétaire général adjoint, qui va donc faire le voyage Bruxelles-Kinshasa, Kinshasa-Kananga, afin d'accompagner les dons que vous avez faits, les dons de vêtements, ainsi que les dons de plusieurs firmes belges pharmaceutiques, de médicaments, de vaccins, de seringues, de toutes ces choses utiles pour Bondo Ayel. Reste seulement maintenant à espérer que toutes ces choses arrivent à bon port. L'adresse de correspondance et de dépôt de biens, de dons donc, de Bondo ASPL. C'est donc ici que les gens viennent avec leurs dons, en vêtements, tout autre. Une machine à écrire nous a été offerte. De Wemel, machine à écrire, pour l'administration de Bondo au Zaïre.
Oui, plus que Marie ne dit l'anglais, tu as vu quoi? C'est tout. Il faut aller parler ici. Alors, oui. Avec un appartement. Nous sommes au centre Joukaï, là où s'occupe les handicapés physiques. Nous allons pouvoir faire un petit reportage au niveau de ce centre. Bonjour, je suis Marie Nanga, nous avons touché le milieu touché. Je représente ici la Canada l'IPM Bondo. Elle a été créée en train d'aider les enfants du milieu du Kassai. Mon voyage a commencé depuis Bruxelles pour essayer de voir ici, comme vous le voyez ici, je suis entourée d'enfants. Ils sont venus du Katanga. Ils sont en Afrique ici à l'initiative de Prince et de Laïc ici à Kananga. Ils ont essayé d'organiser et de créer ce centre qui les abrite pour la plupart et leur permet d'avoir de la nourriture comme ce matin, vous voyez, ils sont ici pour attendre la bouillie du matin. Je dois tout à l'heure rencontrer le père. Il va me faire visiter différents centres que nous espérons pouvoir également filmer afin que vous puissiez vous rendre compte de la nécessité qu'il y a d'apporter aide à tous ces jeunes, à toutes ces mamans qui sont là, qui sont en prix en catastrophe pour essayer de trouver de l'aide et une place pour s'adapter et abriter leurs enfants. Enfants. Ils n'y arrivent pas toujours parce qu'il manque des médicaments ainsi que des matériels nécessaires pour exécuter tout ce qui est travaux médicaux. Elle a été engagée à temps plein, hein? Donc le CEP a commencé pour s'occuper des enfants du regroupement envoyé ici. Étant donné qu'il n'y a aucune structure ici, il n'y a pas de logements qui ont été créés pour abriter les enfants. Les prêtres, ainsi que dans leur mission, ainsi que les sœurs dans les couvents, s'arrangent pour prendre des enfants par petits groupes. Et ensuite, une groupe ici est appelée ici pour moi, parce que c'est le père, il faut s'y arranger pour les abriter chez lui. Ainsi, ici, c'est la maman, c'est elle qui fait le manger. Apparemment, simplement l'après-midi, parce que le matin, tout le monde doit venir au centre pour essayer d'avoir un peu de pluie. Il est pratiquement... Donc ces enfants, comme tout celui que vous voyez ici, qui a vraiment, on voit bien qu'il a des problèmes de santé, celui-ci doit aussi attendre en même temps que les autres pour avoir un peu de bouillie vers environ 11 heures. C'est ainsi que vous allez voir avec les responsables, pouvoir l'aide et ce qui est que Bondo peut proposer dans ce sens parce que je veux savoir que je suis venu avec environ une tonne des biens. Et nous avons assemblé là-bas, et ainsi qu'un peu d'argent pour essayer de distribuer dans ces centres pour qu'ils puissent subvenir aux besoins de tous ces enfants. Bondo doit nécessairement créer un centre ici à Kananga, et même dans le village, comme nous l'avons dit dans nos projets, pour essayer d'aider les prêtres et que tous ceux qui ont déjà pris l'initiative de prendre cette charge, de pouvoir être un petit peu soulagés et d'évacuer à leurs obligations pour lesquelles ils sont venus ici. Elle a tout à l'heure
la femme qui est en train de pleurer, elle pleure son enfant qu'elle vient de perdre tout de suite là, par manque de temps. On vient d'emporter cet enfant et la femme est en train de pleurer. Vraiment, c'est tragique. Il faut que nous nous bons. Vous voyez donc ici la représentation de Vando, l'association Zélevoise qui en Belgique peut venir en aide aux enfants démunis bien du cavalier. Vous connaissez déjà Madame Galina. Vous connaissez Madame Galina Brigitte, c'est ça non? Délégué de la Belgique, de l'association représentant au Zaïr, M. Loukoussa, qui réside à Kinshasa. Je souhaite accompagner M. Loukoussa, qui lui est responsable pour les personnes, le délégué pour les personnes. Alors, vous voyez ici, on va toujours répéter, puisque vous restez plusieurs jours, vous allez faire connaissance de chacun. Et vous voyez ici, à côté de vous, la dame qui s'occupe du secteur restauration, avec d'autres personnes de la restauration. Puisqu'on ne garde pas le fille à la même place que le garçon, nous avons le fille ici. Nous avons 20 filles ici. Deux femmes qui s'occupent de l'éducation. Une veuve qui était à la paroisse du candidat que nous avons demandé au juré, il nous a apporté. Elle reste avec le fils. Et il y a une autre femme qui fait la cure à Cantal, dans le soir, qui travaille. Alors, ces femmes-là, elles ne sont pas là. Elles viennent aussi. L'autre curie, nous allons rencontrer à Cantal. On peut voir, on nous est. Et moi, je suis là. Chaque jour, ici, il y a toujours des nouvelles arrivées. Nous, la maison est trop petite. La maison est trop petite, nous sommes en train de chercher comment on peut trouver le moyen d'acheter un terrain. Ce sont là les conditions dans lesquelles dorment ces enfants. Oui, oui. Il faudrait avoir plus de moyens pour trouver un meilleur logement pour les enfants, pour l'accueil. Ici, c'est uniquement pour les filles. Oui. Et en fait, nous allons visiter après. C'est pour les garçons. D'accord. Dites seulement où on est. Kanyuka. Où ça? Le village Kanyuka. Chez Kanyuka. Oui. C'est le village qui est la banlieue de la ville de Kanyuka. Vous savez, va construire. C'est dans un village idonné de Kanyuka. Oui.
Pratiquement tout ressemble à un village. Ici. Le centre Kankala. Il y en a beaucoup. Et d'apporter quelque chose. Venez ici. D'accord. D'accord. Ici, c'est un de nous. Ici encore, c'est un enfant. Je mange vraiment. Le petit que j'ai emmené ce matin, je l'ai habillé. Ici, c'est encore plus triste. Il vient d'une famille en Corse. Vraiment. Et il veut étudier le français. Il est mécontent parce qu'il y en a une femme au marché qui a un dette de 2 millions. Il a ramassé le métier par-ci par-là. Et nous avons pris aujourd'hui. Mais il est mécontent, il doit coûte que coûte, nous avons déjà ramassé aujourd'hui. Parce que la femme doit devoir lui mettre l'argent. Vous pouvez payer son argent à la place de la femme. Non, mais je l'ai attendu seulement lié de mon... La serre va payer la dette. Aïe. Alors ça, c'était... Papa, ce sont les derniers venus, vous voyez. C'est Daniel. Aziz Lop. C'est village de Perron, je ne sais pas. Nous ne connaissons pas encore les risques. Son frère est venu dernièrement aussi. Il nous mange un bon moment. Chaque enfant qui est ici a son histoire. Et son histoire que nous cherchons, mais pour résoudre et aider. Que ça ne reste pas un trauma. Hein. Aujourd'hui, nous avons fait une petite réunion au pavillon. Nous avons parlé de ce sujet. Est-ce possible de le trouver pour lui et sa famille? Ce sont les jeux. Mais tu es blessé avec ça. On va fabriquer une voiture, on va fabriquer avec. Son frère va le faire, n'est-ce pas? Il était dans l'eau avec ça. Il était dans l'eau avec ses chaussures. Il cherchait la carcasse de sa voiture. Madame Brice.
Il vit là combien d'années? 10 ans. 10 ans, oui. On va faire un tour. Bien. Là, nous avançons vers les maisons de. De plus qu'on a besoin. Oui, c'est ça. On ne fait pas le mélange, etc. Ouais. Si on veut traiter, à ce moment-là, on fait le mélange. Ah, oui. Devant, on veut garder dans l'eau comme ça. Ah oui, garder dans l'eau comme ça. Ça qui manque aussi, hein, le matériel de la bombe. C'est déjà un grand souci. Ah, sœur, qu'est-ce qu'on fait ici? Oui. Donc, il y en a sur le programme de toutes les classes. Les enfants sont obligatoirement agricoles pour apprendre à survivre. Le musée n'est pas terminé après 2 ans. Donc, on doit survivre. Donc, si on apprend l'agriculture, on peut quand même survivre. Même si on est chez soi, on sait quand même faire. Même centre. Mais là, quelque part, on a commencé à loger de petits enfants. De 4 à 7 ans. Ça, c'est notre terrain que l'on a. C'est presque 30 hectares. Le terrain de centre de Kanka. Déjà, là, le propre petit terrain préparé. Nous sommes arrivés dans l'autre contrée de ce centre. Vous avez là des enfants en train de s'amuser, hein?
choses qu'ils ont à faire. Du Chava, et on a saisi l'occasion de préparer parce que c'était nécessaire. On préparait des petites casseroles auparavant. On avait que 30 ou 50 enfants. Et maintenant, le nombre est devenu déjà 150, hein, soit 160. Et il y a combien de personnels dans l'équipe ici? Oui, pour le moment. Vous voyez moyenne combien de malades par jour? 250. Il y a beaucoup de refoulés parmi ces malades? Oh, il y a au moins 150 refoulés par jour. Alors, il y en a beaucoup d'enfants ici. Et ce sont aussi surtout ceux qui sont malades. Hein. Oui. Elle doit peut-être, peut-être une dernière question là. Oui. Pour les flés, il y a beaucoup. Oui, partout dans le ménage. Partout dans le ménage, si vous avez des flés. Ou ceux qui ont déjà réussi à avoir un chimiste.
quoi ils souffrent essentiellement. Surtout malaria, le gré. Vous avez beaucoup de problèmes de diarrhée. Oui, il y a des rougeurs parmi eux maintenant aussi ces derniers temps, ces dernières trois semaines. La nutrition, si je me souviens bien, était 41. Donc, au cas où, ils n'ont pas récupéré. Et c'est plein d'anémies que vous envoyez chaque fois chez vous. Les anémies, pas toujours. On me prend pas toujours les médicaments pour les anémies. Merci beaucoup bien, merci pour beaucoup. Votre visite encourageante. Oui, c'est bien, je vous remercie. On le sent pas abandonné. Il y a quelqu'un qui pense à nous. C'est bien. Alors, bonne continuation. Vous allez encore ailleurs maintenant? Cette visite a l'air de bien prendre fin. Nous allons voir des quais. Bon, on peut, comment vous êtes ici, on peut... Ça va, c'est bien. Merci. Au centre du coucou. Dans le centre, il y a un dispensaire. Dans ce dispensaire, on soigne les hommes, les femmes et les enfants. Ce centre, donc, a aussi besoin de l'aide pour soigner les enfants de milieu qui viennent à propos. Ce centre doit être nourri et soigné. Vous voyez là, il y a les femmes avec leurs enfants qui attendent le soin du coucou. Ils sont là. Ils attendent le soin du coucou. À côté là, vous voyez les enfants qui attendent la nourriture. Cette nourriture, il va venir d'un moment à l'autre. Ça fait 3 semaines en route. Ah ouais. La date à laquelle on a été tout le colis, après avoir fait 3 longues semaines d'attente en route, et je vous informe que Madame Brigitte a été même maquine pour forcer l'expédition de ces colis de Kanak. Vous voyez là les gens en train de se descendre, ces colis pour être déposés dans un dépôt chez le de Saint-Vincent. Saint-Vincent de Paul. Celle où il y a les serres de Saint-Vincent de Paul. On est bâti aux quelques enfants du nid. Ce sont là ces quelques enfants. De ces quelques enfants, les autres sont en train de nous aider à transporter ces colis pour le mettre là. On attend que...
Nasceu, malema, malema. Olha, mamãe, tira o botão. Até qual coisa? Fala aí um pouco, não? Ah, não, não. Eu vou carton, oui, bah. C'est comme ça que vous parlez. Vous parlez très mal de Chiloba. Je vais carton, oui, quoi. Ma soeur se plaint parce qu'elle n'a pas compris. Tout ce que vous voyez là, c'est fait pour les enfants qu'on est en train de berger ici. Dans ces centres, il est tout près. Ce sont les parents des enfants cuisinent. Les parents des enfants sont là. Les parents des enfants. D'un moment à l'autre, ces enfants viendront pour pouvoir manger. Il faut bien préciser que les enfants dont on parle sont les enfants des refoulés. Les refoulés sont les personnes qui ont été chassées chasse. Et qu'une partie est recueillie ici par les sœurs de Saint-Vincent de Paul avec leurs enfants ou les enfants qui sont égarés, qui n'ont plus leurs parents. Ils sont donc hébergés ici et soignés vraiment par les sœurs, leurs faits. Il y a d'un moment à l'autre, ces enfants seront là comme on leur fait à manger. Ils sont en train de se distraire, je ne sais pas moi où. Au moment où les autres... On fait un signe et ils viennent. Voilà. Ah oui. Bah, ça tombe très bien, comme ça on les verra passer à table aujourd'hui. On va voir dans quelles conditions ils mangent, comment ils mangent. C'est vrai. Écoute, voilà. Les sœurs font ce qu'elles peuvent. Hein. Ah oui. La charge est beaucoup trop lourde. Ils ont une capacité peut-être d'une dizaine d'enfants. Ils doivent en recueillir une trentaine, parfois plus. Bon. Ils font ce qu'ils veulent. Ici, il faut tout faire le possible. Il faut faire l'impossible. On les a regroupés selon les âges. Le plus vieux est le plus jeune. Et puis en seconde, il y a des filles. Et puis des garçons en âge secondaire. Et puis. Bébé, c'est dur parce que chaque fois qu'il y a le train qui arrive, il y a toujours le surnombre d'enfants. Il manque combien de par jour? Il mange trois fois par jour. Bon, le soir, c'est le.
soir c'est haricot. Pas du riz. Donc le matin, il mange, il prend du thé, plus du pain, parfois du riz. Et la bouillie de soja. Et vous, la recette bat son record. Parce qu'il est. Il est maintenant. 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 Avec la dysenterie passée, mais cette terre ne fait que maigrir, donc on comprend ce pas. On est en train de distribuer les habits et les tricots de l'association aux enfants de milieu refoulé. Quand il y a les centres. Oui, nous sommes au centre de l'AZD, chez les sœurs Saint-Vincent de Paul. Même taille. Bondo.